réponse, le génial. Est-ce que tu essayes de m'éviter? La réponse correcte est non. Eh bien, où sont tes devoirs? Il a été mangé par un chien. Je me demande par lequel. Ouf! Donc, cette petite chose a mangé un document de 20 pages? C'est choquant, en pleine croissance. Ouf! Glouton, t'as englouti 20 feuilles. Ouf! Pourquoi avais-tu fait ça? C'était un accident. Je pensais que tu étais fou parce qu'il y avait si peu de choses dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'assiette s'est cassée. Toute seule? C'est le vent. Une tentative. Tremblement de terre. Sérieusement? Et pourquoi personne n'a rien ressenti? L'assiette l'a ressenti. Moi, j'ai pu encaisser le coup. Allez! Aïe! Ce n'est pas parce que nous avons vécu des batailles dans la Grèce antique que nous devons les recréer en classe. Ce n'est pas moi. C'est pas ce que vous croyez. Oui, je sais, c'était un éternuement de Gérald le farceur. Pourquoi toujours Gérald? Julia Lintello, et pourquoi tu ne dis rien? Parce que je ne sais pas mentir. Bien, et? C'est pour ça que je ne veux pas parler. C'est un coup monté d'où l'on ne peut attendre. J'en ai marre de vos contes de fées. C'est pourquoi... Voilà. Cet engin bizarre est censé nous faire peur parce qu'il est bizarre. Ceci est un détecteur de mensonges. Maintenant, vous ne pourrez plus me mentir et je serai toujours la vérité. Mes amis, écrivez deux faits vous concernant dans les commentaires et nous devinerons lequel est vrai. Et n'oubliez pas de vous abonner. Soyez avec nous. Mais on ne vous ment pas. C'est juste que vous nous faites peur. Peut-être et peut-être pas. J'ai déjà peur! Bri-bri, mon étoile, fais tomber la mâchoire de tous pour toujours. J'ai une proposition intéressante à te faire. J'ai pas vraiment le choix, alors je t'écoute. Mais pourquoi tu as volé ça à Madame Johnson? Jouons à un quiz. Si tu réponds correctement, tu reçois un prix. Vas-y, surprends-moi. Tu fais toujours exprès de prendre des photos horribles de moi? Ce quiz est bizarre. Non, tu es juste malchanceuse avec ton visage. Ah! C'est quoi ce quiz? C'est pour les masochistes? Le quiz n'est pas encore terminé. Non, mais laisse-moi! Est-ce que c'est vrai que c'est une mythe qui a mangé mon sweatshirt, celui qui ressemble au tien? Oui, une grosse mythe, une mythe qui n'avait aucun goût. Ah! Mais pourquoi? Il est en colère parce que tu viens de te traiter de grosse mythe. Mais je ne suis pas grosse, mais t'es une mythe. T'es vraiment une amie. Maintenant, on va t'examiner. On ne peut pas juste laisser ça dans le passé? Remarque, je sais quelle robe tu voulais acheter aujourd'hui. Je n'ai rien à cacher. Mon parfum s'est-il évaporé au soleil? Il pourrait l'avoir fait. Jolie Kate! Mais il ne l'a pas fait parce que je l'ai renversé pendant que je l'utilisais. Je le savais. Ok, on a toutes les deux terminé. Oui, et on est toutes les deux d'accord. Mais ne nous battons pas pour cette sangsue métallique. Je suis d'accord, Sinistralen est assez pour moi. Le ballon prisonnier se joue à l'extérieur. Et avec un ballon. Désolée. Je ne sais pas quoi faire. Je pensais que tu serais habituée à ne rien avoir dans la tête.
C'est ça, une météorite va frapper la Terre ce soir. Tu penses pas que... Non! Quoi? Est-ce que j'ai bien compris? Tu vois? Et tu dis que j'ai du temps de retard? Aïe! Ah! Mec, ça fait mal! Je pense que c'est cassé! On va voir si ça fonctionne. Est-ce que c'est une photo du coussin de Dani sur ton Instagram? Oui! Vu les cris, vous avez trouvé le détecteur de mensonges. Vous savez, vous feriez mieux de ne pas mentir à cette chose. Ou sinon, si vous mentez, vous êtes électrocuté. Ça veut dire que tu as menti. Comment moi? C'est lui qui a menti. Gerald le farceur, laisse-moi voir cette chose intéressante. Gerald le farceur, si tu le gardes, t'auras 2 bâtons de saucisse. Je suis allergique au courant électrique. Je pensais que tu n'avais aucune allergie. Est-ce que j'aime le poulet frit? Non. Je t'ai eu. J'ai failli me faire avoir. J'aime le poulet frit. Ou pas? Tu m'as embrouillé. Poulet frit. J'aime le poulet frit. Ne me fais plus peur. Tu as oublié. Non. Tu as oublié notre rendez-vous parce que tu as dit quoi? Quoi? Et voilà, je le savais. J'ai pas oublié notre rendez-vous? Eh bien, nous allons vérifier ça. C'est quoi? C'est un témoin, mais pas en ta faveur. Hein? C'est un détecteur de mensonges. Ça vient d'où? Madame Johnson l'a apporté. Cette femme ne sert à rien. Ne t'éloigne pas du sujet. Je suis mobile. J'abandonne, quelle est la date? Mais tu ne t'en souviens même pas? Et toi? Mais bien sûr que oui! Faisons-le devant des témoins! Quelle date on est aujourd'hui? La date de notre premier baiser? Ah! C'est quoi ça? Je suis sûre qu'il fonctionne mal! Il m'a électrocuté! Ça fonctionne très bien! Mais ça m'a fait mal! Pourquoi est-ce que tu trimbales ce truc? Tu essaies d'énerver tout le monde. C'est juste parce qu'il est jaloux. Et on appelle ça un ami? Occupé. Mais il n'y a personne ici. Il y a moi et mon espace personnel. Mais je dois te demander quelque chose. Ce sera rapide. Une chasse d'eau? Non. Alors ce sera pas rapide. C'est quoi ton plat préféré? Un que tu peux mâcher. Je suis un peu lent à la détente. Parle pas trop à Gerald le farceur. Dois-je savoir ce que tu fais? Non, mange. Ne fais pas attention à moi. Est-ce que tu me caches des secrets? Pouf, pas un seul. Ah! Oh, ça fait mal. J'ai vraiment besoin de savoir ce que c'est cette chose. C'est un détecteur de mensonges. Madame Johnson l'a apporté aujourd'hui. Et comme ça, tu le testes sur moi. Je veux juste qu'il n'y ait pas de secret entre nous. Mais je te l'ai déjà dit, je te cache aucun secret. Ah! Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Attends, t'es un peu pâle. Encore un coup comme ça, et j'emporterai mon secret dans ma tombe. Eh bien, dis-le-moi. Mieux vaut la tombe. Comme tu veux. Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse ta tombe. Baskov, Baskov, j'adore les chansons de Baskov. Et c'est tout? Enlève-moi ça maintenant. Attends, tu ne m'as pas encore dit si tu voulais sortir avec moi.
Oui, ok, je veux bien. Eh bien, je suis désolé, c'est ma faute. Quoi, ta faute? Nous nous mentons plus les uns aux autres. Et si on écrasait ce grinceur avec un marteau? C'est parti. Je vais te montrer ce qu'est une vraie relation honnête. Demande-moi tout ce que tu veux. T'es vraiment restée assise toute la journée à être triste quand je suis allée au match de foot? Ouais. C'est bizarre. Écoute, on devrait arrêter avec ce détecteur. Attends. Pourquoi il dit que tu mens? Mais je ne mens pas. Aïe! Donc ce n'était pas ma faute si je suis allée au football? Pas vraiment. Ah! Oh, arrête! Détecteur de mensonges! Ne fais pas taire le diseur de vérité, femme! Très bien, très bien. Cette fois, c'était pas ta faute. Je voulais que tu m'offres des fleurs et un cadeau. Parce que tu ne m'offres jamais rien. C'est pas vrai. Elles sont pour toi. Pourquoi vous m'entourez comme ça? Comme si j'étais un distributeur de chewing-gum. Nous voulons que vous vous débarrassiez de ce détecteur de mensonges. On ne peut pas se faire confiance à cause de ça. Et on ne peut plus mentir. Et on ne peut plus être sournois. Cela nous donne aussi un terrible mal de tête. Et trop de conscience. Je lui laisserai une mauvaise critique. Et je le laisserai dans une poubelle. En fait, il est en danger de mort. Mais vous pensez vraiment que ça fonctionne? Ce n'est qu'un jouet. J'aime mon travail et j'adore mes étudiants. Madame Johnson, est-ce qu'on vous a vraiment volé nos exercices? Eh bien oui! Ah! En fait, j'ai accidentellement renversé du thé dessus. Bien. Et que cachez-vous d'autre? Rien du tout! Ah! Madame Johnson, est-il vrai que vous... Mes amis, dites-vous toujours la vérité? Mettez-le dans les commentaires. À qui avez-vous déjà menti? Et likez pour que personne n'en sache rien. Abonnez-vous. Nous aurons bientôt d'autres histoires très intéressantes. Brie, Brie. Oh merde, mais qu'est-ce que je suis? C'est normal. Un détecteur de mensonges. Détectol? Un détectol? Un détecteur. C'est un détecteur de seigle. Madame Johnson l'a apporté aujourd'hui. De seigle? De mensonges. C'est juste un détecteur de mensonges. Ah, merde. Et ce beeper? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Deux. Je lui laisserai une mauvaise critique. Allez, encore une fois.